Et dans son sportif retour sur un week-end riche en événements sur les terrains de sport divers et variés, notamment les terrains de sport amateurs, où nous nous rendrons dans un instant avec Rematch et nos deux compères, désormais habitués à l'émission, Franck Siassen et Pierre Russon, avec encore une fois des buts et des essais de toute beauté. Et vous saurez également qui a été désigné par Imanol Arinordoki, essai du mois d'avril. Donc ce sera dans un instant. Nous allons reparler également, bien sûr, de l'autre événement. C'était sur les cours de la Villa Primrose avec les demi-finales et la finale du tournoi. On y repart dans un instant. Mais un coup d'œil rapide sur le week-end, cette fois pour les Girondins de Bordeaux. Je me tourne vers Pierre Husson. C'est raté, hein. Même contre Angers, les Girondins n'y arrivent pas. Ouais, y a pas grand chose. 1-0, défaite, hein, 3 tirs. 3 tirs cadrés, 2 pour les Girondins, 1 pour Angers, qui se finit par un but. C'était assez décevant. Voilà, vous avez dû vous régaler. On ne s'est pas régalé, mais comme depuis 10 ans, on se dit, on espère l'année prochaine. Voilà, voilà. C'est en général ce qu'on dit, hein, avec voilà. Les Girondins de Bordeaux. Oh, mais on y ça croit. Ira mieux l'an prochain, mais bien sûr, il faut y croire. Mais malgré tout, cette défaite face à Angers n'arrange pas les affaires des Girondins, parce qu'ils ne sont pas encore sûrs de ne pas être relégable. Mathématiquement. Cela dit, il faut une catastrophe. D'accord, mais bon, malgré tout, il n'y a pas de quoi de se rassurer. Je me tourne maintenant vers Franck Siassen. Encore une fois, les rugbymen de l'Union nous font le coup de on n'y arrive plus à 2 ou 3 jours avant le... C'est un peu rageant. On y croit aussi. C'est un petit peu la même chose chaque saison. On pense au top 6. On espère être au moins barragiste. Et puis, ça va difficilement passer. Il faudra vraiment... Un gros concours de circonstances. Ouais. La défaite à Lyon, ça clôt définitivement toute chance de... Comme dirait Pierre, mathématiquement, non. Mais on va recevoir Toulouse qui est plutôt en pleine bourre. Et on va finir à La Rochelle qui aura besoin de tous les points. C'est donc compliqué. Pas loin de l'être quand même. Cela dit, nous aurons l'occasion de revenir sur tout ça avec Mathieu Delzovo dans Top Rugby. Retour également sur ce qui se passait du côté de la Villa Primrose avec, vous allez le voir, c'était sur le cours central ce dimanche et sur TV7. Regardez. Balle de match là pour le français, Amélie Morismo qui félicite son poulain. Avantage. Ouais, il joue très bien Lucas sur cette fin de match. Là, depuis qu'il a breaké, il a vraiment repris de la confiance. Il a retrouvé sa sérénité supplémentaire. Attention, Michael Himmer, s'il fait une nouvelle faute, c'est jeu, c'était match. Que va faire Lucas ? Est-ce qu'il va choisir de reculer, d'être solide ou de prendre un risque ? Il recule. Il engage l'échange de loin. Et c'est terminé. Victoire de Lucas Pouille. Jeu, c'était match, comme dit l'arbitre. Nous allons revenir dans un instant, bien sûr, sur cette finale remportée par le Français. Mais tout de suite, regardons en images, en musique, ce qui s'est passé durant toute cette semaine du côté de Primrose, sur les cours, dans les allées, ainsi que sur le plateau de TV7 où nous étions tous les soirs en direct pour vous faire vivre ce tournoi Primrose. Quelques minutes et toute une semaine de tournoi. Comme ça et jouer son meilleur niveau, donc je me suis pas forcément concentré sur le niveau de jeu, j'ai juste essayé de me concentrer sur la bagarre, essayer de lutter sur chaque point. Avec les Parisiens on s'emmerde, je suis content qu'ils aient perdu, mais je le dis, on regarde dans les yeux, là, voilà. Ça me fait plaisir, pourquoi ? Parce qu'ils nous gonflent. C'est un paradis d'avoir ces joueurs en France, mais c'est que des pleureuses. Ils se font chier. Voilà, je leur dis, faites rêver nos enfants et arrêtez de nous casser les burnes.
privilégier les tournois en France parce que je m'y sens bien, parce que le public est là, est toujours fidèle un peu au rendez-vous et me supporte à fond, et ça fait plaisir de jouer dans ces conditions-là. Après, pour moi, c'est un tournoi qui est important, ça peut me permettre de prendre des points importants pour la suite de la saison. Et donc voilà, donc j'aimerais bien évidemment aller au bout de ce tournoi. Très heureux, évidemment, de se retrouver ici à Bordeaux. Chaque fois que je suis venu ici jouer le tournoi, c'était vraiment un grand plaisir. Là, je viens d'arriver, il y a un monde fantastique. C'est incroyable, hein, ouais. Ouais, pour un challenger, cette année, le plateau est exceptionnel en plus. Donc, on est ravis de se retrouver, d'essayer de faire une belle partie et de donner un peu de plaisir aux gens. Tant qu'on gagne, tout va bien. J'ai fait un début de match un peu poussif. Sur le deuxième set, j'ai contrôlé et ça s'est bien passé. Donc, je suis content. Ensemble ce soir, donc comme un peu tous les soirs. Donc non, c'est jamais évident, mais c'est cool de se jouer aussi. Maintenant, il est très en confiance. Il a un jeu aussi où il est très offensif. Il prend la balle très tôt. Il met beaucoup de pression. Donc ça va pas être un match évident, mais on va essayer de faire un bon match tous les deux. Voilà, on connaît la suite finalement. Lucas Pouille a assez facilement battu son pote Barrère. De son côté, en revanche, Joe Wilfried Tsonga a échoué, battu en 2-7 par Oranski, lui-même balayé littéralement par Immer. Et Immer, donc, battu par Lucas Pouille en finale. Voilà donc le résumé de cette semaine du côté de Primrose. Regardons un petit peu l'hommage qui a été rendu par le cours central donc ce dimanche au terme de cette finale. Primrose 2019, le Français Lucas Pouille. Voilà, le cours central absolument comble pour applaudir Lucas Pouille, le vainqueur donc de cette finale. Voilà, longtemps en tout cas qu'on n'avait pas vu autant de monde dans les allées de Primrose comme d'ailleurs sur le cours central, et ce durant toute la semaine. Il faut dire que l'affiche était alléchante, que les Français ont joué le jeu, même si tout le monde rêvait d'une finale Pouille-Tsonga. Ça n'a pas été le cas, mais la finale malgré tout était belle. Écoutez d'ailleurs ce que dit Lucas Pouille aux personnes présentes au terme donc de sa victoire. Je voudrais remercier mon équipe. Forcément, on est arrivé ici dans les conditions un peu différentes de maintenant. On était venu chercher des matchs, des victoires. Voilà, donc c'est chose faite et je suis vraiment très heureux. Donc merci à vous de me soutenir. Je voudrais remercier le tournoi de m'avoir accordé une wildcard, JB qui est derrière. Parce que sans lui, je ne serais pas là aujourd'hui. Donc merci de m'avoir accordé cette wildcard et merci d'avoir tout donné pour les joueurs et pour qu'on passe une merveilleuse semaine ici à Bordeaux. Merci et merci pour tout. Un grand merci aux sponsors, à la région, au département, à toutes les personnes qui font que à la mairie, à la ville de Bordeaux, qui est une magnifique ville. J'aimerais vraiment y habiter un jour. Mais il va falloir négocier quelques bouteilles de vin.
Quelques caisses, c'est mieux. Non, vraiment, un grand merci. Un grand merci. C'était, comme je l'ai dit, une super semaine. C'est pour ça que j'ai voulu venir jouer ici et pas ailleurs, parce que j'étais revenu il y a les deux dernières années voir mes amis jouer. À chaque fois, j'avais passé du bon moment. Donc, j'ai vraiment apprécié chaque instant ici. Merci aux ramasseurs. Vous êtes super. C'est toujours un bonheur de vous voir. Et j'espère, pas l'année prochaine, mais en tout cas, je reviendrai avec grand plaisir et un merci pour tout. Voilà en tout cas Lucas Pouille qui nous a régalé durant toute cette semaine, et nous aussi sur TVC on s'est régalé puisqu'on vous a fait vivre en direct tous les soirs ce tournoi Primrose 2019. Rendez-vous en 2020, j'espère en tout cas. Passons maintenant à ce qui s'est passé cette fois sur les terrains amateurs, avec un grand A amateur. Hein. On s'en rend compte maintenant depuis que vous êtes régulièrement sur ce plateau avec nous, messieurs, l'application Rematch. Voyons ce qui s'est passé du côté des terrains de Hand, Franck. Et oui, en Hand, on va commencer directement, on va attaquer avec les filles de Urugne qui jouaient contre Mérignac. C'est en 16+, voilà, ce sont donc c'est un contre incroyable, hein. Ça va très très vite, c'est joué par la gardienne et l'attaquante fait exactement ce qu'il faut. On pensait qu'elle n'y arriverait pas, et là on bascule directement tout en finesse sur Angoulême, et là Angoulême, hop, c'est l'imparable, le lob imparable. C'est imparable, c'est juste magnifique. Merci pour le ralenti. Voilà. Terrible quand on prend ça. C'est terrible. Et là, on va voir les garçons de l'Aspom Bègle qui jouaient contre le Phoenix de Toulouse. Coucou. C'est en National 2 et c'est aussi magnifique. La passe était sublime. Oui. D'ailleurs, parfois, il faut la remettre au ralenti pour bien comprendre comment il a réussi à la passer, à la glisser. Ouais, c'est... Ouais. Franchement, c'est un amour des beaux gestes. Hein. C'est ça. Hein. On le sent vibrer, hein. Quand il y a un bel essai, une belle passe, une belle action, c'est ça. Mais dès qu'on est en sport amateur, on a aussi de très très belles choses. On n'a pas forcément besoin d'aller voir les Girondins ou l'UBB Pro. Allez, du hand. Du hand, oui, bien sûr. Non, du foot, pardon. Un ballon et des mains, mais ça ne va pas ensemble, dit-il. Lui, le fan de foot. Alors, jeu 7 et rematch. Qu'est-ce que c'est que ce gars-là? Il vient d'où C'est le numéro 10 de Biscarros. Alors là, c'est le festival. Sans nul doute, ça va plaire à notre ambassadeur du football, Jean-Pierre Papin. Donc j'ai un peu gâché le suspense, mais régalez-vous. C'est la bicyclette. Donc voilà. Bon, le gardien, il n'est pas pour rien non plus. Hein, il est très surpris. C'est forcément. Avec la petite célébration qu'on adore, on s'est permis de remettre un ralenti sur le but et sur la célébration qui, elle, est tout aussi belle. Donc le geste est magnifique. Admirable. Le geste est admirable. Le gardien. C'est juste admirable. Mais quand on reprend un geste comme ça, on l'observe. Et sur la lancée, ce même numéro 10, c'est sur le même match, donc c'est en U13, il envoie un coup franc qui finit sa course pleine lucarne. C'est agaçant, lui. Et il est assez déconcertant, c'est d'une facilité déconcertante. Et là, on file à l'Espar, Médoc, avec Marina03 qui a encore une fois dégainé son smartphone pour filmer second poteau pavard. Et ça finit, petit filet, c'est magnifique. Et encore une fois, Bastien, tu me connais, je me suis permis un petit ralenti pour admirer cette frappe. C'est de la départementale 1, et oui, admire. Ça finit, petit Bam. Filet, le geste il est parfait, c'est limpide. Il est équilibré, c'est voilà. Régal. Voilà ce que ça donne quand Marina sort son portable. nous avons maintenant du basket. Du basket, donc j'enchaîne avec le basket, bah écoute, c'est parfait. C'est un festival de tir à 3 points. Un festival de tir à 3 points, exactement. Alors, dès que la vidéo va se lancer, tac, on commence avec Pompignat contre Talent, c'est des féminines, un shoot à 3 points, tranquille. On se pose derrière la ligne, les appuis sont fixés. Ça finit tranquillement, bien sûr, dans le panier. Et ensuite, on enchaîne chez les plus jeunes, les U13 de la Division 3, avec un petit clin d'œil à Saint-Delphin qui utilise beaucoup l'application, qui filme tous les matchs et les fans sont ravis. Et nous, c'est normal de les mettre en valeur en les faisant passer dans l'émission. Voilà, et Saint-Delphin dégaine aussi. Il n'y a pas de mot du jour, là. Qu'est-ce qui se passe? Je l'ai omis, c'était le shoot with the plank. Encore une fois. Non. Il a déjà fait celle-là. Oui, ça compte pas. Oui, mais parce que j'avais fait un double. J'avais fait deux fois et là, je me suis dit, bon, excuse-moi, Bastien. Sincèrement, t'es déçu? Ah ouais. T'es déçu? Ah ouais, parce que j'en fais deux le week-end prochain. Je suis désolé, mais tu l'as déjà fait ça. Hey, il s'en souvient. Bien sûr, je me rappelle. Je vous rappelle qu'on fait l'émission ensemble, mais j'y participe en général. Donc, c'est pour ça que je m'en souviens à peu près. Le rugby, avant de savoir quel est l'essai du mois désigné par Imanol Arinordoki, il s'est encore une fois passé de belles choses sur les terrains de rugby amateurs. Et en particulier, c'était les finales de terroir avec 3R ce week-end. Et nous partons directement à La Pimpine. Enfin, on voit jouer La Pimpine contre Villeneuve-d'Ornon.
et là vous avez laissé de piliers debout de ligne le garçon que l'on n'arrête pas à un mètre de la ligne. Là, quand il a plus qu'à se baisser, moi, c'est pas la peine d'essayer. J'aime bien quand les gros s'y mettent. Et on enchaîne avec le Stade Bordelais SPTT qui jouait contre Biganos. C'est de la première série. Regardez le tourniquet bordelais. Le tourniquet bordelais. Magnifique. Je sais pas si on le reverra, mais garçon qui récupère une passe au pied et qui arrive à enchaîner. Richard Tarditz faisait ça autrefois, était parti jouer au football américain. Et c'était le premier qui tournait et qui, comme ça, se libérait des plaquages. Le tourniquet bordelais. Tu vois qu'ils prennent le flambeau sur les expressions. C'est un truc de fou, hein. Le tourniquet bordelais. Alors, vous nous avez fait le plaisir, la semaine dernière, de nous amener Jean-Pierre Papin sur le plateau que nous avions installé à la Villa Primrose pour désigner le but du mois. Et il y a aussi l'essai du mois. Regardez, cette fois, c'est Imanol Arinordoki qui nous raconte tout de son essai du mois. Bonjour, c'est Imanol Arinordoki. Tout d'abord, je voulais féliciter les lauréats qui ont participé à l'essai orange de la semaine, du mois d'avril, notamment le RC Gradignan, l'US Salle et l'Entente sportive Bruges-Blanquefort. Et donc, le choix a été quand même très difficile puisqu'il y avait de superbes essais, très techniques, collectifs et de belles animations. Et pour ce trophée, en tout cas pour le gagnant, j'ai retenu l'Entente sportive Bruges-Blanquefort. Parce qu'il y a vraiment eu un essai magnifique, collectif, où toute la ligne de trois quarts a touché le ballon. Tous les joueurs ont participé avec une belle animation des avants pour bloquer la défense adverse, et notamment un beau numéro de funambule du centre qui élimine quatre joueurs et qui n'oublie pas surtout son ailier pour marquer un superbe essai. Donc voilà, c'est mon pronostic pour ce superbe essai. À bientôt pour un nouveau lauréat et un nouveau gagnant. À bientôt. Ça va se passer comme ça tous les mois. Quelle analyse. Tous les mois. Hein, quelle analyse. Ouais, en même temps, il a un petit peu joué au rugby, hein, si vous permettez. Connaît un minimum. Mais surtout, il n'a pas oublié qu'il est venu du rugby amateur, comme tous les autres. Il a commencé à Garassi avant d'aller à Pau, à Biarritz. Alors moi, j'ai commencé tard et j'ai moins bien fini. Mais lui, quand même, a quand même une belle carrière. Mais il a grandi à Saint-Jean-Pied-de-Port. Il a joué dans des clubs amateurs et il le sait. Voilà. Donc, n'oubliez pas le tourniquet bordelais. Hein, entraînez-vous chez vous. Ça fera son petit effet. Merci en tout cas, messieurs. Et puis, à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures sur les terrains de sport amateur qu'on adore.